C'est vraiment dommage, April. Si seulement tu ne t'étais pas autant mêlée des affaires des autres. S'il vous plaît, aidez-moi! Malheureusement, je ne peux pas faire ça, April. Tu sais, j'ai des obligations aussi. Ah, tu es vraiment une assistante dévouée. Ah! Prends soin de toi, April. Je suis un peu occupée et je vais te quitter maintenant. Mes gentils petits dératiseurs vont bien s'occuper de toi. Ah, je n'aime pas ces loups. Combien de frères ont-ils? 1, 2, 3. Est-ce que je peux me servir de mes doigts de pied pour les compter? Quelle incroyable technologie! Mais... on ne peut pas laisser quelqu'un s'échapper après avoir effrayé une jolie fille comme elle. Faites gaffe les gars, c'est parti! Maître Splinter, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. Oui, oui. Vous aurez l'occasion de me raconter tout cela en détail plus tard. Mais avant, j'aimerais que nous rentrions à la maison. À la maison? Mais on n'a plus de chez nous. Ces sales robots ont détruit notre ego. Vous ne vous rappelez pas? Ayez confiance. Je crois avoir trouvé la solution à notre petit problème de logement, mes enfants. En bas se trouve la réponse. Bien arrangé, ça pourrait être coquet. Cette pièce-là, c'est ma chambre. Et là, c'est à moi aussi. Vous voyez, mes enfants, le changement peut être bon. Je suis tout à fait d'accord, Maître Splinter. Bien. Vous allez commencer par tout nettoyer, d'accord? Cet endroit est dégoûtant. Oh non. We'll be right back.